Moi, j'ai vraiment voulu faire ma course. J'étais souvent devant parce que je voulais imposer mon rythme et pas subir les accélérations. Donc à chaque fois qu'il y avait une accélération, je laissais prendre 2-3 mètres et je repassais devant parce que je voulais vraiment imposer mon rythme à moi. Après, dans une descente, comme je disais, j'ai pu profiter d'une super paire de skis avec une glisse exceptionnelle et j'ai fait un petit écart de 15-20 mètres. Et du coup, j'en ai profité pour accélérer. Et puis par contre, j'étais pas au courant de la dernière bosse. Donc là, j'ai essayé de gérer. Quand j'ai vu Mathieu qui revenait à 2-3 mètres, j'ai essayé de mettre mes dernières cartouches. Et puis la petite surprise, c'est l'arrivée, là, le dernier kilomètre avec tous ces virages. Ça, en fin de course, ça fait vraiment mal aux jambes. Mais par contre, j'étais jamais venu skier au four. Et j'ai trouvé vraiment le site vraiment super sympa. Ouais. Ça s'est très bien passé. On est parti à 3, donc sur une accélération de Mathieu. Donc après, c'est vrai que c'est agréable de skier sans être stressé avec deux autres bons skieurs. Bon, ça allait très vite, on s'est vraiment fait plaisir. Fred Jambes a mené quasiment toute la course. On sentait qu'il était à un niveau au-dessus, il avait de très bons skis, il skie très bien. Donc c'est vrai que quand il a accéléré dans la plus grosse difficulté du parcours, il y avait... Bon, ça, il n'y a pas eu de match, quoi. Moi, j'étais derrière Didier, j'ai demandé à Didier de s'écarter, j'ai essayé de rentrer. J'ai commencé à peine au-dessus, quoi, et puis voilà, quoi. Après, une fois qu'on vient sur les portions, il faut faire glisser, techniquement, il est plus fort, quoi. J'ai essayé de tenir le groupe de trois avec Fred, Mamat et puis Didier. Et au premier sprint intermédiaire, j'ai craqué un petit peu. Et du coup, j'ai essayé de rien lâcher, de revenir dessus. Puis du coup, entre les deux groupes, j'ai laissé des plumes. Ouais, c'était rapide, mais du coup, c'était agréable. Parce que ça faisait des pelotons qui s'entraidaient. Et puis, oh, c'est un beau parcours. Difficile sur la fin, très difficile, mais... Il faut ça pour faire les écarts, quoi. Mais c'est une belle course, très belle course.